petite partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Ça se suivra. Peut-être qu'il y a du scandale à scandale. On verra. C'est très bien de reprocher. Mais il faut se dire, est-ce que moi je suis propre? Non, moi je parle tous les éléments. Mais tous, tout va se savoir dans ce pays. Qui a fait quoi ou qui est en train de faire quoi, ça se fait là, surtout quand c'est au détriment du peuple de Guinée. Dire je n'ai rien fait, ça commence à apparaître. Ça va sortir. Le mal, c'est comme la fumée. Nous sommes dans cette pièce, on allume le feu ici, on peut tout fermer, mais la fumée sortira. Donc, ce qu'on a fait, si ça ne sort pas aujourd'hui, ça sortira demain. Je suis contre cette corruption à grande échelle et au sommet de l'État. Moi aussi, je compte. Okay. J'ai suivi aussi l'actualité internationale, l'élection historique en Gambie. Quel commentaire? Mais pas la Gambie seulement. Regardez ce qui vient de se faire en un mois. Aux États-Unis, le sondage donnait favori qui? C'était pas Hillary. Jusqu'au dernier jour, quelle que soit la marge d'erreur qui était, mais elle était toujours favorite. Mais finalement, c'est Trump qui a gagné. Le cas Fillon, au départ, qui était le favori? C'était pas Juppé. Au fil du temps, il s'est présenté en troisième position. Après, Fip, c'est lui. Il a éliminé et son ancien président. Et c'est le favori suprême. Maintenant, le cap, la Gambie. Qui pouvait imaginer qu'il allait perdre? En Afrique, on a coutume de dire qu'on n'organise pas une élection pour la perdre. Mais ça commence à être un lieu du temps. Ça commence. Ça va changer. Ça change. Les Africains comprennent. C'est aux Gambiens de prendre leur sort en main et leur prêt à main. Je leur souhaite bonne chance. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez... C'est Mamar Saïd Wadi Diallo du site guinematin.com. Est-ce que vous pouvez nous griffer les points essentiels de cette réunion? Je ne peux pas. La réunion, c'est toujours la mobilisation de tout. Vous savez, quelle que soit l'organisation, il y a l'évaluation interne. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour toujours galvaniser la troupe? C'était cela. Et encore dire, c'était les responsables, leur donner des consignes. Mais je ne peux pas tout vous dire. Malheureusement. Merci. Merci.